ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous entamons, Inch'Allah, un nouveau chapitre qui s'appelle Khasa'isu Minhaj al-Nubuwa, qui signifie en fait les caractéristiques de la voie prophétique. Les caractéristiques de la voie prophétique. Yaqulu al-Mu'allifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Awalan min khasa'isi minhaj al-Nubuwa al-thabatu ala al-haqqi wa adamu al-talawun. Ce qui signifie la fermeté sur la vérité et la non-versatilité. Ne pas être versatile, c'est-à-dire rester constant et ferme sur la vérité et ne pas changer suivant les vicissitudes du temps ou d'autres choses qui pourraient te pousser à adopter une autre voie ou une autre croyance. D'accord ? Donc ça fait partie des caractéristiques de la voie prophétique, c'est que ses partisans, ceux qui la suivent, sont fermes sur la vérité et justement, ils ne sont pas soumis, comme on l'avait déjà vu, à des croyances, des idéologies qui pourraient venir la contredire la leur. Parmi les caractéristiques de cette voie, comme le dit le Mu'allif, c'est que ses partisans sont fermes sur la vérité et non versatiles quant à celle-ci. À l'opposé des innovateurs, tu pourras trouver l'un d'entre eux sur une voie le matin, sur une autre voie le midi et sur une autre voie le soir, ne cessant de changer et de faire preuve d'instabilité au regard des avis et des passions qui se présentent à lui. Il ne fait preuve d'aucune fermeté car il ne possède en lui aucun fondement solide sur lequel il peut s'appuyer. Quant aux gens de la sunna, ils ont le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la vérité par laquelle est venu l'envoyé d'Allah. حذيفة رضي الله عنه قال إن الضلالة كل وفي رواية حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله فدين الله واحد حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان الصحابي من أعلم الصحابة qui est un des plus grands savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tout égarement, et dans une autre version, le véritable égarement, réside dans le fait que tu acceptes ce que tu réprouvais ou que tu réprouves ce que tu acceptais. Prends garde de la versatilité dans la religion d'Allah, car la religion d'Allah est unique. » D'accord ? Ici, quand Hoseifa parle de on parle ici des fondements de la religion. On ne parle pas des avis de jurisprudence, d'accord, qui sont soumis à l'ijtihadat et qui sont soumis aux efforts d'interprétation des différents savants. Là, on parle des fondements de la religion sur lesquels personne ne diverge. وعن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين. Donc ici, المغيرة d'après Ibrahim, Ibrahim al-Nakhai, a dit il répugnait, il parle de qui ? Il parle des compagnons. Il répugnait la versatilité dans la religion. Le fait d'avoir plusieurs visages. Ou le fait de se comporter, suivant les personnes qui sont avec toi, de façon différente. Quand tu es avec les gens de la sunna, tu te comportes en sunni. Quand tu es avec les gens de l'innovation, tu te comportes et tu essaies de faire comme il faut. Afin d'avoir l'agrément de tout le monde. Mais on verra que ceci est impossible. D'accord ? Donc les gens de la sunna, ils ne rentrent pas dans ce genre de considération. Ils restent fermes sur la vérité, quelle que soit la personne qu'ils ont en face d'eux. D'accord ? Il dit aussi, ils considéraient, les compagnons, que la versatilité dans la religion relevait du doute des cœurs sur Allah. Les compagnons considéraient que la personne qui est versatile comme ça, qui a plusieurs visages, en fait, ça relève que
où ça montre le fait que son cœur est rempli de doutes sur Allah, tabaraka wa ta'ala. D'après Malik ibn Anas, le mal incurable, ad-da'ul 'udhal, le mal incurable, c'est la versatilité dans la religion. Talawun, ce qu'on appelle talawun. Talawun, ça vient de laoud, c'est-à-dire la couleur. Talawun, c'est-à-dire tu changes de couleur à chaque fois. Allah dit, tabaraka wa ta'ala yaqul, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah dit تبارك وتعالى dans sourate Ibrahim verset 27, Allah a fermé les croyants par une parole ferme. Ici la parole ferme bien sûr c'est كلمات لا إله إلا الله comme on dit le mufassirun. Dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Alors ici, le Mu'allif a rapporté l'explication de l'imam Abdurrahman ibn Sa'di dans l'explication de ce verset. Yaqulu l'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu 'ibadahu al-mu'minin ay alladhina qamu bima 'alayhim min al-iman al-qalbi al-tam alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih wa yuthbiruha fayuthabbituhum Allah fi al-hayat ad-dunya 'inda wurud ash-shubuhat وبالهداية إلى اليقين وإن عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي ويضل الله الظالمين عن الثواب في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. Donc l'imam al-Sa'di il dit quoi? Il dit Allah nous informe dans ce verset qu'il raffermit ses serviteurs parmi les croyants, c'est-à-dire ceux qui agissent en conformité avec leur foi parfaite. Cette foi qui implique des actes du corps, et ceci en les faisant fructifier. Allah les affermit dans cette vie présente, lorsque les ambiguïtés se présentent à eux, en les guidant vers la certitude et en les affermissant, lorsque les passions se présentent à eux, en leur octroyant une volonté ferme qui leur permettra de faire prévaloir ce qu'Allah aime sur les passions de l'âme et ses désirs. Il les affermit aussi dans l'au-delà lorsque la mort se présente à eux par la religion de l'islam et par la bonne fin, al-khatimatul hasana. Et aussi il les affermit dans la tombe lors des questions que poseront les deux anges. Il les raffermira par une réponse juste et valide lorsque l'un dira aux morts « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Quel est ton prophète ?» Allah les guidera vers la bonne réponse. Le croyant dira « Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Tandis qu'il égare les injustes, ceci signifie, il égare les injustes de la vérité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Ce n'est point Allah qui leur a fait du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Vous avez compris, mes frères? Donc, Allah raffermit les croyants dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et ceci est une des caractéristiques des gens de la vérité. Ils ont ce raffermissement. D'accord? Et c'est ce qu'on voit aussi de nos jours, mes frères. Lorsque vous voyez que il y a toutes sortes de problèmes qui se déroulent dans la communauté d'islam, vous voyez que les gens qui sont les plus enracinés, les gens qui sont toujours sur une voie unique, qui ne sont pas éprouvés ou tentés par des biens de ce bas monde, ce sont les gens de la sunna et en premier lieu les savants de la sunna. Naam. Et c'est une caractéristique que les gens de la sunna ont depuis l'époque des sahaba. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق الذي هداه إليه. Donc ceci c'est la parole de Cheikh Raslan. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق الذي هداه إليه وأنعم به عليه. فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأمر المؤمنين بما أمر به نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Donc le Mu'allif dit
Certes, Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de constance et de fermeté sur la vérité vers laquelle il l'a guidé et par laquelle il l'a couvert de son bienfait. Allah dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. De même qu'Allah a ordonné les croyants ce qu'il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé ou comme il t'est ordonné de le faire, ainsi que ceux qui sont revenus vers Allah avec toi, donc les croyants. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Donc vous voyez qu'à travers ces deux versets coraniques, Allah nous enjoint, ainsi qu'il a enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ordonné de rester constant sur la vérité. D'accord ? قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعف وأضعف وأضعف أضعف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Donc الشيخ الإسلام dit, en résumé, la fermeté et la constance chez les gens du hadith et de la sunna est de loin beaucoup plus notoire et beaucoup plus probante et claire et évidente que celle qui se trouve chez les philosophes et les gens du kalam. Donc, on a vu que les gens du kalam, c'est qui ? C'est ceux qui rentrent dans des considérations dont ils n'ont pas la capacité de pouvoir apprécier à juste mesure. D'accord ? Comme le fait de parler sur les choses de l'invisible, ou le fait de parler sur les noms et les attributs d'Allah sans science. D'accord ? Donc, Cheikh Al-Islam, il dit que on voit que chez les gens de la sunna, la constance et la fermeté, al-thabat, elle est beaucoup plus claire et évidente et beaucoup plus probante et notoire que celle qui se trouve chez les gens de l'innovation et entre autres les gens de la philosophie. Et ça, on le verra à la fin du cours, Inch'Allah. Je vais y revenir. Donc, ceci a été rapporté par Majmou al-Fatawa. Il dit aussi que la constance se trouve chez les gens de la sunna car ils connaissent la vérité et s'accrochent à elle. Allah le Très-Haut les affermit sur elle. Ils se mettent sur la bonne voie. Allah les guide encore plus et leur inspire leur piété. Ils luttent pour la cause d'Allah et Allah les guide sur le sentier de la guidée et de la droiture. Donc ceci c'est la parole de Cheikh Rassal, c'est pas la parole de Cheikh Rassal Ibn Taymiyyah. Donc Cheikh Rassal il dit ceci, il dit que la constance des gens de la sunna, c'est qu'ils connaissent, ils sont constants plutôt, car ils connaissent la vérité et ils s'accrochent à elle. Et à cause de ceci, Allah les affermit sur cette vérité-là, et il leur inspire leur piété. Et ceci s'est corroboré par deux versets coraniques où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اهْتَدَهُ زَادَهُمْ هُدَى وَتَقْوَاهُمْ. Et quant à ceux qui se sont guidés, Allah leur a inspiré, leur a rajouté dans leur guidée et leur a inspiré leur piété. Donc ceux qui sont restés fervents et constants sur la vérité, Allah les a affermis en plus de ceci. D'accord ? Cheikh l'Islam a dit إِنَّمَا عِنْدَ عَوَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالْتُمَانِينَ وَالْجَزْمِ بِالْحَقِّ وَالْقَوْلُ الثَّابِتِ وَالْقَطْعِ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إِلَّا مَنْ سَلَبَهُ اللَّهُ الْعَقْلَ وَالدِّينَ. C'est des paroles qui sont fortes, mes frères. Cheikh l'Islam a dit ce que possède le commun des musulmans ainsi que leurs savants. Et lorsque, je vais faire une remarque ici, parce que quand on dit عَوَّامِ الْمُسْلِمِينَ, notamment chez les salafs, quand on dit Awam el Muslimin, et Awam el Muslimin, ils étaient sur la fitra. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ? Awam el Muslimin, ils étaient, le commun des musulmans, ils étaient sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, quand Cheikh l'Islam, il dit, Inna min inda Awam el Muslimin wa ulama'ihim. Et ce qui se trouve chez le commun des musulmans et leurs savants, le commun des musulmans, c'est-à-dire la masse des musulmans qui sont sur la voie droite, hein, comme c'était le cas à l'époque. Hein. Alors il dit quoi ? Il dit ce que possède le commun des musulmans ainsi que leurs savants, les gens de la sunna et du consensus, le sunna wal jama'a, comme connaissance, certitude et quiétude, affirmation de la vérité, parole de fermeté, la ilaha illallah, leur conviction tranchante, ce sur quoi ils sont, est une chose qui n'est discutable que par celui qu'Allah a dépouillé de sa raison et de sa religion. Ce qu'on a constaté chez les savants de la sunna et sur le commun des gens de la sunna, comme
il dit comme certitude, comme quiétude, Toumanine, comme affirmation de la vérité, comme parole de fermeté, comme conviction tranchante, personne ne peut leur reprocher ceci. Il a dit sauf celui qui discute sur ceci, c'est celui qu'Allah a dépouillé de sa raison et de sa religion, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui est connu, mes frères. Ils sont constants et fermes sur la vérité. Cheikh l'Islam dit par la suite, « فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَاعْرِفِ الْحَقَّ وَالْزَمْهُ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فَإِنَّ التَّلَوُّنَ لَيْسَ مِنْ شِيمَةِ أَهْلِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ شِيمَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُصْبِحُونَ عَلَى مِلَّةٍ وَيُظْهِرُونَ عَلَى مِلَّةٍ يمسون على ملة والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل الله الثبات والعافية. Donc Cheikh Hassan il dit, si tu souhaites être sur la voie prophétique, apprends la vérité et accroche-toi à elle et prends garde de la versatilité, talawun, car elle ne fait pas partie des caractéristiques des gens de la sunna, mais c'est plutôt une caractéristique propre aux gens de la passion, c'est-à-dire aux gens de l'innovation. Ils sont sur une voie le matin, ils sont sur une autre voie le midi, ils sont sur une troisième voie le soir. Ils vendent sa religion pour un bien de ce bas monde. Nous demandons à Allah qu'il nous raffermisse et qu'il nous préserve du talawud, c'est-à-dire de la versatilité. Vous avez compris, mes frères ? Une des caractéristiques des gens de la sunna, des gens de la vérité, c'est qu'ils sont fermes sur la vérité. Deuxième chose, deuxième point maintenant. Deuxième caractéristique des gens qui se réclament ou qui suivent Manhaj al-Nubuwa. Ittifaq ahlihi ala aqidatin wahida. C'est l'unanimité de ses partisans qui sont sur une seule croyance, sur une croyance qui est unique. Parmi les particularités de cette voie, c'est qu'ils sont sur une même aqida. Et ceci, quelles que soient les époques et les lieux. Et ça, on l'avait déjà vu. Car on avait vu que les fondements au sol et le manhaj. La tata'atharu bi waqi'in asri wa la bi 'urfin mahalli. Non, vous l'avez vu ça, mes frères, vous vous rappelez? Les fondements de ce manhaj, ils ne sont pas assujettis ni aux vicissitudes du temps, ou aux changements du temps, des époques, ni aux coutumes locales. D'accord? Mais ils sont comme nous les a laissés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est sur la voie prophétique à cette époque est en accord avec ceux sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aligné sur leur voie comme l'alignement des plumes d'une flèche. Et ceci sans aucun doute. Hazwal kudza bil kudza. Vous savez, sur une flèche, les plumes qu'il y a à la fin, elles sont bien alignées. Ce qui va permettre à la flèche d'avoir une bonne trajectoire. Une trajectoire qui est droite. Si les plumes elles sont mal disposées ou elles ne sont pas ordonnées, elle n'atteindra jamais sa cible ou ce qui est voulu. Alors c'est une expression que disent les Arabes, qui disent que hazwul kudza bil kudza, c'est-à-dire être aligné de façon parfaite, être en accord de façon parfaite. C'est ce qu'il dit ici, Cheikh Aslan. Il dit que la voie sur laquelle on est et nous, et la croyance plutôt sur laquelle on est nous, c'est la même croyance qui était sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans la croyance ou bien dans les actes, car cette voie est une voie unique qui n'est pas altérée par les vicissitudes du temps. Et là, je vais vous rapporter ce que rapportait Cheikh Aslan, qui est une parole qui est très importante. C'est de Qawam al-Din, Qawam al-Sunna al-Asbahani, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, qui est un grand savant de la Sunna. Yaqul. ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وترة واحدة ونمط واحد يجدون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. Je vais vous traduire ceci. Il dit, ce qui nous prouve que les gens du hadith sont les gens de la vérité,
c'est que lorsque tu parcours et tu examines l'ensemble de leurs ouvrages, du premier au dernier, anciens ou récents, malgré leurs différentes contrées et les époques et l'éloignement de leur résidence, chacun habitant dans une contrée autre que son coreligionnaire, tu les trouveras dans l'explication de la croyance sur une voie uniforme. Ils s'efforcent à être sur la voie sans y dévier et sans l'écarter. C'est clair, mes frères. Vous retracez n'importe quel livre des gens de la Sunna, vous verrez que malgré les différentes époques à laquelle ils ont vécu, ou alors ils ont vécu dans des endroits différents, à des milliers de kilomètres, sans qu'ils puissent se connaître directement les uns envers les autres, vous verrez qu'ils ont tous la même croyance dans leur livre. Pourquoi ? Car ils prennent leur croyance d'où ? De la même source, d'une source qui est unique, du message divin, et qui se trouve à travers le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا. C'est une parole qui est forte, mes frères. Il dit, leurs cœurs sont comme un seul cœur sur ceci. Leurs propos sont comme un seul propos. Tu ne trouveras pas en eux de divergence ou de dissension, si minime fussent-elles. Mais au contraire, si tu réunissais l'ensemble de ce qu'ont proféré leur langue et qu'ils ont réuni de leurs pieux prédécesseurs, tu les trouveras comme s'ils provenaient que d'un seul cœur, provenant d'une même langue. Il y a-t-il une preuve plus claire que ceci sur le fait qu'ils sont sur la vérité ? Là, il n'y a pas une preuve plus claire que ceci. Ils parlent tous comme si c'était une seule personne qui parlait, avec un seul cœur dans sa poitrine et une seule langue entre ses deux lèvres. Ceci nous prouve que les gens du hadith, Ahlus Sunnati wal Jama'a wa Ahlul Hadith, kanu ala al-haqq al-mubin, la yunazi'u fi dhalika ahadun wa lathnan. Personne ne peut leur enlever ceci. Troisième chose, troisième caractéristique. Ya'tiqaduhum anna tariqata as-salaf hiya al-aslamu wal-ahkamu wal-a'lam. Leur croyance sur le fait que la voie des salaf est la plus sûre ou la plus saine, on va l'expliquer, la plus sage ou la plus parfaite et la plus savante. Non pas comme les gens de l'innovation qui disent la voie des salaf, elle est plus sûre. Et la voie des khalaf, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis et qui ont dévié de leur voie, elle est plus parfaite et plus savante. Yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, en réfutant sur ce genre de propos, il dit وكان يرد على هذه الفرية. Il répond sur ce mensonge effronté que profèrent les philosophes et les gens de l'argumentation et de la rhétorique. Il dit هؤلاء زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم فقال لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. Il dit, réfutant sur ces gens-là qui disent que la voie des salaf c'est la plus sûre, mais la voie des khalaf, c'est-à-dire la leur, lorsqu'ils ont commencé à rentrer dans toutes sortes de conjectures, ils disent celle-là c'est la plus savante et la plus parfaite. Et c'est celle qui retrace le mieux la réalité des choses. Alors, Cheikh Islam, il répond sur ces gens-là. Il dit, réfutant leurs mensonges, il dit que la voie... Il dit, ils ont menti. Ils ont menti sur la voie des salafs et se sont égarés en validant la voie des khalafs. C'est-à-dire leur voie à eux. Ils ont ainsi regroupé l'ignorance de la voie des salafs en montant sur eux. Et l'ignorance et l'égarement au regard de leur validité de la voie des khalaf.
Alors écoutez bien ce que dit Charles Taïbin, en réfutant aussi sur ce genre de propos fallacieux. Il dit, يقول شعر الثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول في فتح رب البرية بتلخيص الحموية في معرض بيان فساد دعوة المؤولة ونفات الصفات الإلهية أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح وذلك من وجهين. Donc شعر الثيمين répond sur ces gens-là. Il dit concernant l'exposé sur l'éclaircissement de la nullité de ce que disent les interpréteurs, les négateurs des attributs divins, que la voie des salafs est la plus sûre, tandis que la voie des khalafs est la plus savante et la plus parfaite. Il faut savoir qu'ici, ce livre-là, Al-Hamawiya, c'est un livre qui a été écrit par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est une réfutation sur ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. D'accord ? Et ceci, bien sûr, ce n'est pas la voie des sahaba et des gens de la sunna. Alors ici, Cheikh Al-Islam, qu'est-ce qu'il dit ? Pour répondre à ces gens-là, qui disent que la voie des salafs, c'est la plus sûre. La plus sûre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les sahaba, ils ne sont pas rentrés dans toutes ces considérations. Ils sont restés comme ça, un peu éloignés des textes, sans vouloir les expliquer vraiment, afin de préserver leur religion et ne pas tomber dans l'erreur. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que, quant à nous, on a fait des recherches, on a atteint certaines connaissances que n'avaient pas les sahaba, et nous, on peut expliquer maintenant les non les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est dans ce sens-là qu'ils disent la voie des salafs, c'est la plus sûre. Ils se sont préservés, ils ne sont pas tombés dans l'erreur. Tandis que la nôtre, c'est la plus savante et la plus parfaite. Alors, Charles Sémine, il va répondre dessus. Il dit, nous souhaitons prouver que la voie des salafs est la voie qui est authentique. Et ceci sur deux aspects différents, ou par deux aspects différents. Awalan, yakoul. أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلة ولا بد فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. Ce qui signifie, premier point, la voie des salafs, et ça on l'avait déjà vu mes frères, est prouvée par le livre d'Allah et la sunna. D'accord ? On avait ramené pas moins de 12 preuves. Vous vous rappelez ? Pas moins de 12 preuves. À savoir que la voie des salafs, c'est-à-dire la voie du prophète et des compagnons, et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, c'est la voie qu'on doit suivre obligatoirement. Jean-Fabien le dit, la voie des salafs est prouvée par le livre d'Allah et la sunna. Et celui qui suit, ici, celui qui suit, c'est-à-dire celui qui retrace et qui fait une recherche sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on écrit les salafs avec science et impartialité, il la trouvera en conformité avec le livre d'Allah et la sunna en détail et en globalité. Nécessairement. Car Allah, le Très-Haut, a descendu son livre afin que les gens méditent sur ses versets et qu'ils les appliquent concernant les lois ou bien qu'ils les confirment concernant les informations qu'il nous délivre. Akhbar. Il dit aussi, Cheikh Al-Taymin, وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَى فَهْمِهَا وَتَصْدِيقِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا هُمُ السَّلَفِ لِأَنَّهَا جَاءَتْ بِلُغَتِهِمْ وَفِي عَصْرِهِمْ فَلَا جَرَمَ كَانُوا أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَا فِقْهًا وَأَقْوَمَهُمْ عَمَلًا. Il dit, il ne fait aucun doute que les plus proches concernant la compréhension, la confirmation et l'application étaient les salafs, car ces versets sont descendus dans leur langue et à leur époque. Il ne fait aucun doute qu'ils étaient les plus instruits quant à ces versets et les plus droits quant à leur application. Là, on avait vu ceci aussi. Ça, c'est le premier point que cite Charles Taïbin pour prouver que la voie des salafs, c'est la plus sûre, mais c'est aussi la plus parfaite et c'est la plus savante. Là, contrairement à ce que disent les autres. Il dit la deuxième aspect sur lequel on prouve ceci. C'est le fait de dire أن يقول إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف والثاني باطل لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. Donc
Le premier point que Cheikh Al-Thaymin avait cité, c'est un dalil sam'i. C'est un dalil qui relève de du sam', de l'écoute, c'est-à-dire des textes religieux. Par les textes religieux, on prouve que la voix des salafs, c'est-à-dire quand tous salafs aslamu wa ahkamu wa a'lam. Amma huna ya'ti Cheikh Al-Thaymin bi dalil al-'aqli. Donc ici, Cheikh Al-Thaymin il vient avec une preuve rationnelle de la raison. Il dit, on dit que la vérité dans ce domaine, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah, est ou bien la vérité elle se trouve chez les salafs, ou bien elle se trouve chez les khalafs. C'est une des deux. D'accord ? Il dit le deuxième, il est invalide. Batil. Le fait de dire que la vérité elle se trouve chez les khalafs, elle ne se trouve pas chez les salafs. Ceci est invalide. Pourquoi ? Car ceci reviendrait à dire qu'Allah est son envoyé, ainsi que les prédécesseurs parmi les émigrés et les ansars, ont parlé faussement, et ceci de façon claire ou ouvertement. Et ils n'ont pas parlé une seule fois de la vérité dont la croyance est obligatoire de façon claire et évidente. Charles Témine, il dit quoi ? Il dit que ceci, ça implique forcément que, ou bien ils ont parlé faussement, et ceci de façon claire et ouvertement, c'est-à-dire sans aucune honte, ou alors ils n'ont pas parlé une seule fois de la vérité, dont la croyance est obligatoire, car ces gens-là qui donnent des fausses interprétations sur les noms attributs d'Allah, ils disent qu'il est obligatoire de croire ça sur Allah, qu'Allah il ne s'est pas établi sur son trône, qu'Allah il n'a pas de visage, qu'Allah il n'a pas de main, etc. Ils disent que ça c'est une obligation de croire ça. Et Cheikh Al-Thaymin dit, ou alors les sahaba, ils se sont tus sur ceci et n'en ont pas parlé, ils ont caché la vérité. Donc bien sûr, que ça soit l'une ou l'autre, c'est invalide. On ne peut pas attribuer ceci aux compagnons du prophète, à cette personne. Il dit aussi, donc ceci implique, il dit aussi, Charles Thaymin, il dit que, donc ceci implique que la présence du livre d'Allah, فَيَكُونُ وُجُودُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا فِي أَصْلِ الدِّينِ وَتَرْكُ النَّاسِ بِلَا كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ خَيْرًا لَهُمْ وَأَكْوَامٍ. Il dit, donc ceci implique que la présence du livre d'Allah et de la sunna du prophète est un vrai préjudice dans les fondements de la religion et implique que laisser les gens sans livre et sans sunna est meilleur pour eux, ce qui est bien sûr invraisemblable. D'accord ? Et inacceptable. D'accord ? Leurs paroles, ce qu'ils disent eux, ces gens-là, d'innovation, ça implique ceci. Ça implique que il vaudrait mieux que vous délaissez de côté le livre d'Allah et la sunna du prophète, car ça pourrait vous induire en erreur. Dararul mahd. Un préjudice, un vrai préjudice. C'est ce que ça implique. Hein? Et ceci, bien sûr, ce n'est pas acceptable. Donc il dit, continue Cheikh Al-Thaymin, il dit, leur propos, cette parole-là, de dire que la voix des salafs c'est la plus sûre et notre voix c'est la plus savante. Et c'est vraiment, présomptueux de dire ça en fait. C'est vraiment se mettre au-dessus des sahaba, de se mettre au-dessus des sahaba de prétendre ceci. Ils disent, leur propos se base sur deux choses. Ils se basent sur deux choses. La première, il dit que, Cheikh Al-Thaymin dit que, celui qui prononce cette parole considère qu'Allah ne possède aucun attribut réel qui est prouvé par les textes, et ceci en se basant sur ce qu'il possède comme ambiguïté pervertrice. Il dit, ce qui les emmène à dire ceci, c'est qu'ils considèrent que Allah ne possède aucun attribut en réalité. D'accord ? Ils disent qu'Laysa lillahi sifatul haqiqiyya. Allah ne possède aucun attribut. Ils renient tous les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on avait vu que les premiers qui sont rentrés dans ce genre de considération sont le Mu'tazila. Avec Wasl ibn Atta ou Amr ibn Ubayd. Donc les premiers qui sont rentrés dans ce genre d'égarement, ce sont eux. Et ensuite, Jahmiya. Ils disent ceci car ils renient les sifats d'Allah et ceci, bien sûr, c'est basé sur des ambiguïtés religieuses sur lesquelles ils se basent. Deuxième chose, il dit, Cheikh Al-Thaymin, que c'est le fait qu'ils croient que la voix des salafs sur ceci, c'est qu'ils admettent les attributs d'Allah mais ils ne leur donnent aucun sens. Ce qu'on appelle al-tafwid. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu à notre époque, mes frères. Faites-y attention. Certaines personnes vous diront, oui, Allah, il a des noms et des attributs. Oui, Allah, il est audient. Allah, il est omniscient. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Allahu a'lam. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vous avez compris ?
يفوضون الكيف والمعنى. C'est-à-dire, ils rejettent Allah, ils délèguent à Allah le sens de l'attribut et aussi son comment. Alors que les gens de la Sunna, ils ne rejettent pas le sens, ils rejettent le comment seulement, le kayf. Par exemple, un exemple très simple. Allah nous dit dans le Coran qu'il a deux mains. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha. Allah il nous dit que mais ses deux mains à Allah sont largement ouvertes, il dépense comme il veut, tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, l'attribut de la main, il est prouvé par le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux mains, c'est un attribut qui est prouvé par le livre d'Allah, la Sunna du prophète et ijma' al-sahaba, ijma' al-ulama. Alors, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit que on attribue à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même. Allah il s'est attribué deux mains, donc nous on attribue à Allah qu'il a bien deux mains, tabaraka wa ta'ala. Et on sait ce que ça veut dire al-yadan dans la langue arabe. On sait ce que ça veut dire al-yadan. D'accord? Walakin, comment les mains d'Allah elles sont, ça on ne le connaît pas. Al-kayf, kayfa yadullah? Allahu a'lam. Wa nufawwidu al-kayf ila Allah tabaraka wa ta'ala. On délègue le kayf, on n'a pas besoin de le chercher, il nous est même pas demandé de le chercher. D'accord? C'est comme si on dit par exemple yadul bashar wa yadul asad wa yadul ibil wa yadul fil. Al-yad pour l'homme, c'est ça. C'est ce que j'ai ici là. D'accord? Avec mes 10 doigts. Avec mes 5 doigts plutôt, parce que je parle d'une main. D'accord? Quand on dit yadul asad, on parle de la patte du lion. Mais on l'a pas en arabe yad. Est-ce que ça veut dire que on fait une assimilation entre l'homme et le lion? On fait pas d'assimilation. La patte du lion, elle a ses caractéristiques. La main du lion a ses caractéristiques. La main de l'homme, elle a ses caractéristiques. La patte de l'éléphant, elle a ses propres caractéristiques. Voilà qui, dans la dénomination, ils ont la même dénomination. Hein? Alors, il en est de même. Si on arrive à faire cette distinction entre les créatures, que dit Allah entre Allah et sa créature? À plus forte raison, la distinction est encore plus grande. D'accord? Donc, on attribue à Allah les deux mains. Et attribuer à Allah deux mains, ça ne veut pas dire qu'on le fait ressembler à ses créatures. Loin de là. Mais les deux mains d'Allah sont ses propres caractéristiques dont le kaif, dont le comment ne relève que de la science d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris, mes frères? Voilà. Donc, il dit, Shah al-Thaymin, certaines personnes disent que la science d'Allah, le visage d'Allah, les mains d'Allah, le fait qu'Allah descende dans le dernier tiers de la nuit, dans le ciel le plus bas, afin de répondre à la vocation du demandeur et à pardonner à celui qui demande pardon, comme c'est rapporté dans le hadith d'Abi Huraira. Hein? Donc, tous ces noms et ces attributs d'Allah, et toutes ces, que ce soit des attributs de sa personne ou des attributs qui relèvent des actes d'Allah, tous ces attributs, on les affirme à Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il se les a affirmés à lui-même, ou alors le prophète les a affirmés à Allah. Les a confirmés. Ce n'est pas à nous de dire un attribut qu'Allah s'est attribué à lui-même. Non, Allah ne s'est pas attribué ceci. Comme l'ont fait ces gens-là. D'accord? Allah nous dit, Allah il a un visage. Eux, ces gens-là, ils te disent, non, Allah n'a pas de visage. C'est une offense grave à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un mukhalafa zahira li nusus al-shar'iyya. Nusus al-kitab wa sunnah. C'est une opposition claire et nette au livre d'Allah et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous attribuons à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même ou ce que son prophète lui a attribué, que ça soit à travers le livre d'Allah ou la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on rejette à Allah ou d'Allah ce qu'il s'est rejeté de lui-même comme attribut d'imperfection ou ce que lui a rejeté son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunnah. Vous avez compris les frères? Ça c'est déjà la première chose. Deuxième chose, c'est que on reconnaît le sens de chacun des attributs d'Allah car le Coran a été descendu en langue arabe claire. Et la langue arabe, mes frères, quand Allah descend des versets en langue arabe, c'est pour qu'il soit compris, pour que le sens soit compris. Il n'y a aucun intérêt de descendre des versets si on ne comprend pas le sens. Comme le disent ces gens-là, Allah a descendu des noms et des attributs, ou plus ou moins ici des attributs, mais on ne connaît pas le sens. Alors quel est l'intérêt alors de les avoir révélés dans le Coran?
Ça aussi, ça vient intenter à quoi? À la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça vient porter une offense à la sagesse d'Allah. C'est comme si tu disais que Allah ici a mis une chose qui n'a pas sa place. Qui n'est pas à sa place. Voilà ici toutes ces considérations dans lesquelles ils sont rentrés. Et ils ont fait rentrer leur raison. Alors que la raison n'a pas sa place dedans. Voilà où ça les a emmenés. À ce genre d'incohérence et de contradiction. Ce n'est pas parce que Allah s'est attribué un attribut qui a la même dénomination qu'un attribut humain que ça implique forcément qu'il y a une similitude dans la réalité de l'attribut divin. Là, il faut faire bien la distinction entre les deux. Or, ces gens-là, qui n'ont pas atteint encore, dont leurs raisons n'ont pas encore mûri, n'ont pas fait la distinction entre ceci. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit, puisqu'ils n'ont pas compris cette chose-là, ils ont dit, on est obligé d'annuler toutes les sifats d'Allah afin de ne pas tomber dans l'assimilationnisme. De faire ressembler Allah à ses créatures. D'accord? Donc, ils sont partis d'un mal pour arriver à un autre mal. Donc, je reviens par le Cheikh Al-Faymin qui dit, Afwan, c'est que ces gens-là, ils disent quoi? Qu'ils croient que la voie des salafs, et ceci, bien sûr, est faux, c'est qu'ils admettent les attributs sans leur donner de sens. Il faut du tafouïd. Ou bien, ils leur donnent un sens autre que celui qui est voulu. C'est ce qu'on appelle « al-tahrif » ou « al-ta'wil al-fasid ». Par exemple, ils disent « les deux mains d'Allah », ils disent « les deux mains d'Allah, c'est la puissance d'Allah ». Ils disent « wajhullah » ou « rahmatullah », ils disent « huwa ikramullah », c'est le bienfait d'Allah. Ils disent « wajhullah », c'est sa puissance, etc., etc. Ils donnent un autre sens qui n'est pas connu chez les Arabes. Charles Thémine, il dit quoi? Il dit, le fait de dire la voix des salafs est plus sûre implique qu'elle est plus parfaite et plus savante. Voilà mes frères, la vérité c'est quoi? Si vous dites que la voix des salafs elle est plus sûre et plus saine, ça implique forcément qu'elle est plus savante et plus parfaite. Pourquoi? Car il n'y a pas de sécurité et de préservation dans sa religion si ce n'est par la science et la sagesse. La science qui te montre la voie de cette préservation, de cette sécurité, et la sagesse qui te montre comment emprunter ces voies-là. Hein? La science, elle te montre les voies qui te mènent à préserver ta religion ou à ta croyance, et la sagesse, elle te montre comment emprunter ces voies-là. Donc tout ça, c'est lié, mes frères. On ne peut pas faire de distinction en disant la voie des salafs, c'est la plus savante, et notre voie, c'est la plus... La voie des salafs, c'est la plus sûre, et notre voie, c'est la plus parfaite et la plus savante. Les salafs sont les héritiers des prophètes. Charles Taymin, il réfute aussi, et il termine ses propos en disant ceci. An-salaf humu warathatul anbiya wal mursalin. Faqad talaqahu ulumahum min yadbu'i risalati al-ilahiyyati wa haqa'iq al-iman. Il dit, les salafs sont les héritiers des prophètes. Ils ont puisé leur science de la source du message divin et de la réalité de la foi. Amma ulaika al-khalaf. فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان فكيف نكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين هذا دليل عقلي الغمدي سيش على الثيمين الدي للسلف sont les héritiers des prophètes. Ils ont puisé leur science de la source du message divin et de la réalité de la foi. Quant à cela, les khalafs, ils puisent leur science des Majus. Majus, c'était la religion qui était en vigueur dans l'empire perse, hein, adorateur du feu. Des mouchriquines, d'accord? De l'égarement et des grands égarés parmi les juifs et les chrétiens. Et des grecs aussi. Car les grecs, c'était des mouchriquines. Comment les héritiers de ces gens-là et ceux qui les suivent pourrait être plus savante et plus parfaite concernant les noms d'Allah et ses attributs que les héritiers des envoyés. Donc ici, c'est une preuve rationnelle que Charles Taïmin nous donne, alors que la première, c'est une preuve religieuse. Et enfin, il dit وَأَنَّ هَاُولَا الْخَلَفِ الَّذِينَ فَضَّلَ هَذَا الْغَبِي طَرِيقَتَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله بهم محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإكراره على نفسه وشهادة الأمة عليه حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليهم أمرهم. Il dit, ces gens-là, tu les trouveras
Donc ici, ce n'est pas une traduction littérale que j'ai faite. D'accord, c'est un résumé de ce qu'il dit sur le troisième point. Tu les verras errants et touchés par l'instabilité à cause de leur éloignement de ce pourquoi a été envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam comme guidé et éclaircissement. Il est clair et évident, mes frères, que les gens de l'innovation, de l'égarement, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment ces gens-là, ceux qui sont rentrés, qui sont rentrés dans la philosophie et qui ont mélangé la philosophie grecque avec les textes religieux pour en tirer une croyance qui est étrangère à celle qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair et net que ces gens-là, ils sont touchés par l'instabilité, l'égarement, l'errance. Puis il y avait un savant qui s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Abdel Karim al-Shahrastani. C'est un des grands savants qui était rentré dans la philosophie, ilm al-kalam wa al-falsafa. Faqala bi baytayn, la'amri laqad tuftu bil ma'ahidi kullaha. وسيرت طرفيه بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أي قارعا سن النادم. Il a dit, par Allah, j'ai parcouru toutes les écoles, toutes ces halakat de philosophie, etc. Et j'ai promené mon regard à travers tous ces repères. Je n'ai vu que des personnes perplexes posant leurs mains sur leur menton, se grinçant les dents à cause du regret qu'ils éprouvaient. Vous avez compris? Alors, il y a un savant de la Sunna qui s'appelle Mohammed ibn Ismail al-Amir, rahimahullah wa tabaraka. Regardez comment les gens de la Sunna ils sont. La fierté qu'ils ont à être sur la Sunna. Il dit, la'allaka ahmalta at-tawaf bi ma'hadi ar-rasul wa kulli man laqahu min kulli 'alimi. Fama hara man yuhda bi hadi Muhammadin falasta tarahu qari'an sinna nadimi. Il a dit, tu as sûrement oublié de parcourir l'école de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de tous les savants qui s'y trouvent. Nul ne s'égarera celui qui est guidé par la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu ne trouveras point parmi eux celui qui sera rongé par le remords en train de grincer ses dents. Lakin, les gens du Kalam, à la fin de leur vie, ils ont regretté. Comme ce fut le cas de Mohammed ibn Abdullah Abdel Karim al-Shahrastani, Abu Hamid al-Ghazali, comme ce fut le cas de Fakhreddin Razi. Regardez ce que dit l'imam Fakhreddin Razi, qu'Allah lui pardonne. Il dit, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يسعد الكلم الطيب وأكره في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيط به علما فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. Il dit, j'ai étudié ou étayé toutes les voies philosophiques et rhétoriques. Il a tout vu. Effectivement, il écrit beaucoup d'ouvrages. Et j'ai certes remarqué qu'elles ne guérissent pas le malade et elles n'abreuvent pas la soifée. Et j'ai certes vu que la voie la plus probante est celle du Coran. Je lis dans l'affirmation, et là il parle des sifats d'Allah. Dans l'affirmation des sifats d'Allah, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Et je lis aussi, ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole. Ici, il affirme quoi que Allah il est fil 'ulu. Il est au-dessus des sept cieux. Chose que réfutent les philosophes. Hein? Il dit, et je lis dans la négation, nul n'est comparable à lui, laissa kamithlihi shay'un, et nul ne le cerne par sa science, nulle personne par sa science ne peut cerner Allah. D'accord? Allah il est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Donc il dit ça, il dit quelque chose de très important à la fin. Il dit, celui qui aura expérimenté mon expérience, il acquérera ma connaissance, c'est-à-dire il saura de quoi je parle. Naam, man jagraba tajribati faqad arifa ma'rifati. J'aime bien cette parole. Parce que c'est une parole véridique. Kalimatu haqqin. Naam. Effectivement, là, c'est un témoignage. C'est un témoin oculaire. C'est quelqu'un qui a vécu ça, qui en parle à la fin de sa vie, qui en est sorti. Si vous rentrez dans ce genre de considération, vous n'arriverez à rien à la fin. La tashfi alilan, wa la tarwi alilan. Elle n'apaise pas la soifée, elle n'abreuve pas la soifée, et elle ne guérit pas le malade. Walakin, la voix qui est celle sur laquelle le cœur est apaisé, l'âme est apaisée, la personne se raffermit, c'est la voix du Coran, la voix de la Sunna, la voix des Sahaba,
Donc, ça c'était pour expliquer cette parole et pour réfuter sur ceux qui disent que la voix des khalaf, elle est plus savante et plus parfaite, alors que la voix des salaf, c'est elle qui est plus savante. Non, la voix des salaf, tariqatu salaf, tariqatu sahaba, aslamu wa a'lamu wa ahkam. Quatrième point qui fait chose qui est propre aux gens de la sunna ou ceux qui suivent le manhaj nubuwa, harsuhum ala nashri al-aqidati sahiha, leur désir ou leur volonté ardente de propager la bonne croyance. Et ça c'est quelque chose qui est connu, mes frères. La qul al-mu'allif min mumayyizat manhaj nubuwa أو مميزات منهاج السلف حرص من أخذ به على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وحرصه على تعليم الناس ونصحهم وحرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. Ces صفات-là, il n'y a que les gens de la sunna qui les ont. Il dit, parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est leur avidité, leur préoccupation ardente pour celui qui prend ce manhaj de propager l'aqida, l'aqida authentique et aussi la religion de droiture. Et aussi d'enseigner aux gens et de leur porter conseil. Mais aussi de répondre et de réfuter sur les déviants et les innovateurs. Ça c'est quelque chose qui est propre aux gens de la sunna. Ceux qui ont fait ce travail à travers 15 siècles, mes frères, d'épuration de tout ce qui ne fait pas partie du livre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prophète, si la sunna, si le livre d'Allah, la sunna du prophète, elle nous est arrivée à notre époque, et que nous, à notre époque, on puisse en jouir et on puisse l'appliquer comme elle fut appliquée il y a 15 siècles, c'est par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puis par la grâce des savants qui ont fait ce travail. S'ils n'étaient pas là, mes frères, la religion, elle serait étrangère à notre époque. On n'aurait pas pu profiter de tout ça. Walakin, ils ont fait tout ce travail. Et c'est les seuls qui l'ont fait. Vous voyez que tous ceux qui ont fait ce travail de réfutation, c'est les gens de la sunna, mes frères. Regardez un petit peu les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Regardez les livres de nos pieux prédécesseurs comme les livres de l'imam Ahmed, Sharh al-Sunna al-Baghawi, Sharh al-Sunna al-Barbahari, Sharh Aqidat Ahli Sunnah wal-Jama'ah al-Lalaka'i. Tous ces grands ouvrages qui nous mettent en garde contre ces fausses croyances et ces fausses conceptions de la religion. Donc, mes frères, ça va de pair, d'accord ? Ce n'est pas juste appeler au bien, mais il faut aussi prévenir contre le mal. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aux gens qui suivent la voie prophétique. Cinquièmement, هذا المنهج ومن مميزاتي هذا المنهج من كان على منهج النبوة وعلى منهج السلف أنهم وسط بين الفرق. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. Il dit que cette voie, la voie prophétique, est médiane. C'est une voie médiane. C'est une voie de juste milieu entre les différentes factions. On l'avait vu ça, vous vous rappelez ? Allah dit تبارك وتعالى جعلناكم أمة وسطا. Une voie de juste milieu. أي عدل خيار. C'est-à-dire juste et en même temps khiyar, c'est-à-dire qui est sur la droite et la droite, sur le bien et la vérité. Et justement, Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il dit ici ? Rafwan, il rapporte une parole de Cheikh al-Islam qui dit Ahlus sunnati bayna al-firaqi ka ahli al-islami bayna al-milal. Cheikh al-Islam dit les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes, comme l'islam est une voie de juste milieu entre les religions. Vous vous rappelez que on avait vu ceci ? On avait dit que l'islam est une voie de juste milieu baina ifrat al-yahud wa tafrid an-nasara min bab al-ahkam. C'est-à-dire dans les lois religieuses, l'islam est une voie de juste milieu entre l'exagération des juifs et le laxisme des chrétiens. C'est une voie de juste milieu concernant les prophètes d'Allah. Fi tafrit al-yahud, leur laxisme envers leurs prophètes qui les ont dénigrés, qui les ont même ils en ont tué certains, ils les ont insultés et dénigrés, et au contraire Ifrat et Nasara, qui ont l'exagération des chrétiens, qui les ont montés au rang de divinité. Comme ce fut le cas d'Issa ibn Maryam. L'islam est toujours, vient toujours rétablir la balance et le juste milieu. De même que la sunna, dans l'islam, est une voie de juste milieu.
entre les noms et les attributs d'Allah, entre ceux qui renient les attributs d'Allah de façon globale et entre ceux qui font ressembler Allah à ses créatures. Donc nous sommes entre les deux. أهل السنة بين الفراق كأهل الإسلام بين الملال. La voie, les gens de la sunna sont sur une voie de juste milieu entre les sectes, comme l'islam est une voie de juste milieu entre les religions. Ceci a été rapporté par Majmou al-Fatawa. Sixième point, c'est leur avidité à l'union et au groupe et le rejet de la dissension et de la division. الحرص على الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. نعم. Parmi les ومن خصائص منهاج النبوة دعوة الناس إلى الجماعة والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد بين أهل التوحيد والسنة. Il dit parmi les caractéristiques de la voie prophétique, c'est le fait d'appeler les gens إلى الجماعة, au groupe, والألفة, et à l'union. D'accord? وَنَبْذُ الْإِخْتِلَافِ et de réprimander et de rejeter les dissensions et les divisions entre les gens de l'unicité et les gens de la sunna. Là, cette parole-là, elle est très importante, mes frères. Pourquoi ? Car Allah nous enjoint dans le Coran, justement, à s'accrocher au groupe, s'accrocher à la corde d'Allah. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. Et accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. La corde d'Allah, c'est le Coran. Wa dinu Allah wal Quran. نعم. Comme l'ont expliqué les savants de l'islam. C'est aussi l'engagement qu'Allah a pris envers les croyants sur le fait de suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'islam, il dit, d'ailleurs, ce n'est pas le seul, mais il dit que, on dit, ou un des qualificatifs, un des noms les plus connus chez, pour nous, les gens de la sunna, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce nom, cette dénomination en elle-même, elle est claire. Ahlus Sunna, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la sunna, wal Jama'a, et au groupe. On parle de quel groupe ici, mes frères? Jama'at al-Oula. C'est ce groupe-là qu'on parle. C'est pas la masse. On parle de Jama'at al-Oula, le premier groupe de musulmans qui était Sahaba. Et pour comprendre ceci, Abdullah ibn Mas'ud a dit Al-Jama'atu an tuwafiq al-haqqa walau kunta wahdak. Al-Jama'a, le groupe, c'est que tu sois en conformité avec la vérité même si tu es tout seul. Donc vous voyez que le terme de Jama'a ici, il ne faut pas se laisser tromper, il n'a pas le sens de quantité, mais plutôt de qualité. Il est de valeur qualitative et pas quantitative. D'accord ? Même si tu es tout seul, tu représentes la Jama'a. Même si tu viens à une époque, tu es le seul qui est sur la voie des Sahaba, c'est toi le Jama'a à ton époque. Non ? Comme Allah a dit concernant Ibrahim. Non ? Wa kana umma, kana ummatan. À lui seul, il représentait umma, un guide. C'était un guide à lui seul. Il représentait la vérité à lui seul. Alors que les gens autour de lui étaient dans l'égarement. D'accord ? Donc ici, le sens de Jama'a, mes frères, il n'a pas le sens de l'ensemble des musulmans. Non. Le sens de Jama'a ici, il a le sens de celui qui s'accroche à ce sur quoi était le premier groupe de croyants qui était Sahaba. Là, vous avez compris ? Non. وهذا ظاهر كما قال الشيخ رسلان وهذا ظاهر في أشهر أسمائهم وأحبها إليهم فهم أهل السنة والجماعة. Et ceci est clair. Parmi leurs dénominations la plus célèbre, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a, et c'est aussi la plus aimée chez les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, ils aiment qu'on les appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a. Cette dénomination, elle est probante, elle est claire. Non, elle implique beaucoup de choses. Qala lahum imamuhum wa qudwatuhum. Il dit, et leur imam et leur qudwa, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux gens de la Sunna, notre imam c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre imam, notre référence principale, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaghraku. Wa yakrahu lakum thalathan. Naam. Awalan, kathratu su'al, qila wa qal, wa kathratu su'al wa idha'atu al-mal.
C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par le Muslim Ibn Ahmed. Le prophète, il dit, Allah agrée en vous trois choses et réprouve en vous trois choses. Il agrée en vous trois choses. C'est que vous l'adoriez lui seul et que vous ne lui donnez aucun associé. La deuxième chose, c'est que vous vous accrochez à la corde d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et la troisième chose, voilà tafaraku. Troisième chose, c'est que vous ne vous divisez pas. Là. Et il réprouve en vous trois choses. Premièrement, al-qil wa qal. C'est-à-dire leur rapporter des ragots ou des dires sans prendre en compte la validité des propos et des informations. Deuxième chose, kathratu su'al. Poser beaucoup de questions dans les choses religieuses. D'accord ? Je vais expliquer, Inch'Allah. Et troisième chose, dha'atul mal. Alors dépenser son argent de façon éperdue. Ou alors dépenser son argent sans lui imposer de limite. Donc ici, mes frères, Allah nous ordonne trois choses. At-tawhid. التوحيد في الاتباع في العبادة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Allah nous ordonne de ou agrée en nous qu'on l'adore lui seul et qu'on ne lui donne pas d'associé dans l'adoration. هذا هو كلمة لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. C'est ce que veut dire لا إله. Deuxième chose, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا معنى محمد رسول الله. C'est le fait de suivre scrupuleusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas suivre une voie autre que la sienne. Et de ne pas se diviser. Là, de ne pas se diviser. Vous avez compris, frère? Mais se diviser par rapport à quoi? Se diviser par rapport aux bases qu'Allah nous a données. Ce n'est pas se diviser les uns vers les autres sur des passions, sur des passions qu'on a en commun, par exemple. Vous avez compris? Parce que certaines personnes pensent que moi je pense comme ça, toi tu penses autrement, mais c'est pas grave, on est des frères, il ne faut pas qu'on se divise. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a interdit de nous diviser. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre, mes frères. Ne pas se diviser par rapport au fondement qu'Allah nous a établi et nous a mentionné dans le livre d'Allah, sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est ne pas se diviser par rapport à ceci. Si moi je suis sur la voie droite et que mon frère il est sur une voie discordante, j'essaie de l'appeler vers la voie droite. S'il ne veut pas, il s'entête à rester sur la voie discordante, alors là il n'y a pas de rapprochement possible. D'accord? Il n'y a pas de rapprochement. On ne va pas dire Allah nous ou Allah nous interdit de nous diviser, donc c'est pas grave, on va essayer de concilier. D'accord? Il n'y a pas de conciliation à faire à ce niveau-là ou sur les fondements de la religion. D'accord? Par contre, la conciliation, si deux personnes sont dans la sunna du prophète, à Saint-Solam, là, on essaie de faire la conciliation sur une base commune ou sur un socle commun qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Min khasa'isi min hajin nubuwati, da'watu nasi ila jama'ati wal ulfa, wa nabdhu l'ikhtilafi wal furqati, bayna men, bayna ahli tawhidi wa sunna. » Ce qui veut dire, parmi les caractéristiques de la voix prophétique, c'est que ces gens appellent, ou que cette voix, elle appelle les gens au groupe, à l'union, et rejeter toutes sortes de divergences et de dissensions entre qui? Entre les gens du Tawhid et de la Sunna. Les gens d'innovation, on les rappelle, on les amène à revenir vers les gens de la Sunna. S'ils reviennent vers les gens de la Sunna, alhamdoulilah. La louange est à Allah, tabaraka wa ta'ala. S'ils ne reviennent pas, mais ils s'entêtent et ils combattent les gens de la sunna, alors là, il n'y a pas de rapprochement à faire. Mais là, bien au contraire, il faut faire une scission. Al-bara'a. Al-bara'atu min al-bid'ati wa ahliha. Il faut faire un désaveu de l'innovation et de ceux qui la suivent. Vous avez compris, mes frères? Donc, ne pas comprendre les versets coraniques ou ce hadith-là de façon erronée. De même, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa yakrahu lakum qila wa qal. » Qila wa qal, c'est le fait de rapporter « al-tanakul, tanakul al-kalam, ba'du ila ba'd. » Notamment, ici j'ouvre une petite parenthèse, notamment en ce qui concerne al-namima. Al-namima, ce qu'on appelle le colportage. Colportage, c'est de colporter des rumeurs, mais dans un but de créer un climat de conflit entre les gens. Ça, c'est strictement interdit, mais ça fait même partie des grands péchés d'islam. Ce que le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam,
بغرى على قبرين كما ورد في صحيح البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنهما ليعذبان في قبرهما وما يعذبان في كبير أما هذا فلم يستبرئ من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة خفت عليه الصلاة والسلام lorsqu'il est passé devant deux tombes il a dit les deux autres de cette tombe ils sont en train de se faire châtier dans leur tombe il a dit ils ne se font pas châtier pour une chose qu'ils considéraient énorme. La première des choses, le premier, c'est qu'ils ne faisaient pas attention à sa pureté rituelle lorsqu'il allait aux toilettes. Peut-être que des gouttes d'urine tombaient sur lui, il priait comme ça. Donc il priait avec des impuretés. Donc c'est une des causes par laquelle la personne peut être châtiée dans sa tombe. Deuxième chose, le deuxième, il dit, et celui-là, il s'adonnait au colportage. Donc ça fait partie, mes frères, des grands péchés. D'accord ? Et d'ailleurs, Allah a qualifié Walid ibn al-Mughira dans le Coran, al-Dammam, voilà tout dire, kulla hallaf al-mahin, hammaz al-masha'im binamim, masha'im binamim. C'est quelqu'un qui, masha, c'est même plus fort que celui qui faisait le colportage, il s'adonnait à ça. Masha'im binamim, binamim. Cet homme-là, il racontait des ragots sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tort ou à raison, afin de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah n'agrée pas pour vous, ou n'accepte pas en vous, cette qualité. Al-qil wa qal. Même si c'est des choses vraies que vous dites. Et des fois, une personne, sans le vouloir, elle rapporte des rumeurs comme ça, sans avoir l'intention de faire du mal, mais derrière, elle fait beaucoup de mal sans qu'elle le sache. De même, le prophète a dit, Kathratu su'al. Ceci a été corroboré par le Coran où Allah dit « وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنَ تُبَدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ » Allah nous dit « Tabaraka wa ta'ala, ne posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, elles vous mécontenteraient. Tasukum. Mais dès lors que vous posez une question, alors que le Coran est en train d'être descendu, Allah vous a pardonné ceci, Wallahu Rafoul Halim, et Allah est fait preuve de grande mansuétude et grand pardonneur. Certes, des gens avant vous posaient beaucoup de questions sur la religion, et à cause de ceci, ils sont devenus mécréants. Fa'asbahu biha kafirin. Là, c'est-à-dire le fait de poser beaucoup de questions sur la religion, jusqu'à ce que la religion te devienne dure, elle te devienne pénible à supporter et à appliquer. Non, comme ce fut le cas des juifs, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Ma nahaytukum anhu fajtanibou, wa ma amartukum bi, fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlaka man kana qablakum, kathratu masailihim, wa akhtilafuhum ala anbiya'ihim. » Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Des gens ont péri avant vous, à cause de quoi ?» À cause des questions nombreuses qu'ils posaient sur la religion, alors que la religion leur avait été facilitée. Mais ils ont cherché ce qu'on appelle ta'annut, ou ta'ammuk. Et si je fais ceci, et si je fais cela, etc., etc. Donc, ils ont été perdus à cause de ceci. La religion leur a été rendue difficile. Et ils se sont écartés, ils ont dévié de la voie des prophètes, alayhi salam. De même que ceci a été corroboré dans Bukhari wa Muslim, où un homme, le prophète a dit, Fulida alaykum al-hajj, faqala rajul afi kulli am, faqadima al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala, fa in kultu na'am la wajabat, wa in wajabat, mastata'tum. Na'am. فإن وجبت ما استطعت فإن لم تستطيعوا لكفرتم. Le prophète il a dit, Allah vous a prescrit le hajj. Un homme il a dit, est-ce qu'on doit le faire tous les ans? Le prophète il a dit, si je dis oui, il vous sera obligatoire tous les ans. Et s'il vous est obligatoire tous les ans, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous ne pourrez pas le faire, alors ceci va vous emmener à la mécréance. Donc mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah ici, nous enjoint de ne pas chercher des choses
ou ne pas poser trop de questions dans la religion sur lesquelles les sahabas ne posaient pas de questions. Hein? Comme par exemple, Asma wa Sifa, c'est un bon exemple, mashallah. Les noms et les attributs d'Allah. Vous avez déjà vu un texte ou un hadith qu'un sahabi a dit un jour au prophète, Ya Rasulallah, décris-nous Allah, comment il est. Est-ce que ses mains sont comme ceci? Est-ce que ses mains sont comme cela? Et ils ne rentraient pas dans ça. Car le prophète leur a appris que ceci ne fait pas partie de ce qu'Allah leur a demandé de faire. Ou des choses qu'Allah leur a demandé de faire. Non? Donc, nous aussi, on n'a pas rentré dedans. Mais malgré ceci, des gens sont rentrés dedans. Oui, mais si on dit que le visage d'Allah, il est comme ça, alors ça veut dire ceci. Mais si tu dis ça, alors toi, ça veut dire que ça, ça implique ceci, et ça implique cela, etc., etc. Et vas-y. Et là, toute une croyance et toute une idéologie se met en place. Et on commence à excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Donc, mes frères, kathratu su'al yu'addi ila at-ta'addi aw ad-darar. Préjudice, d'accord, peut porter préjudice. On le voit aussi, par exemple, à notre époque, des gens qui sont touchés par waswas. D'accord. Par exemple, ils te disent, voilà, ils posent une question à un cheikh, Taïb cheikh, voilà, je fais mes ablutions, jusqu'où je dois laver mes bras. Le cerveau, il lui dit, par exemple, tu laves tes bras juste au-dessus du coude. Oui, mais au-dessus du coude, est-ce que c'est au-dessus du coude, juste au-dessus du coude, ou à la moitié, ou en haut? Parce que si je le fais pas, si je le fais juste au-dessus du coude, peut-être qu'il y a un bout du coude qui ne sera pas touché par l'eau. Ah, mon frère. Si c'est au-dessus du coude, alhamdoulilah. C'est que le coude, il est, alhamdoulilah, il rentre dans le barsol fihi. Il est lavé. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais Abu Huraira a dit, Abu Huraira faisait le monter jusqu'au dessus de l'épaule. Etc. Pourquoi tu rentres dans ce genre de considération, mon frère? D'accord. La religion n'a pas été rendue difficile. D'accord. Allah dit tabaraka wa ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, tout ce qui nous a été demandé, c'est clairement exposé dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous suffit, alhamdulillah. Et s'il y a des choses qui ne se trouve pas dans le livre d'Allah et la sunna du prophète, c'est qu'Allah s'est tué dessus et ceci est une miséricorde envers nous. Là, comme ceci a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le hadith d'Ibn Abbas. Inna Allah tajawaza an ummati an-nisyan wal-khata'u wa mastukriha alayhi. Donc Allah il a passé, c'est-à-dire Allah il a pardonné à trois catégories de personnes dans sa communauté, la communauté d'Islam. Celui qui a fait une erreur par oubli, il a oublié quelque chose, il a oublié de faire quelque chose, par oubli. Allah ne lui en tient pas rigueur. D'accord. Deuxième chose, celui qui a fait un péché par erreur, une erreur involontaire. Il n'est pas pris en compte. Ou alors, celui qui a été contraint de la faire. D'accord. Mes frères, donc ne pas rendre la religion plus dure que ceci. L'imam Ad-Dawa, oui, a dit, concernant le verset coranique, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Il dit comme l'attachement à la corde d'Allah et l'attachement à la corde d'Allah, hablullah, al-i'tisam bihablillah, c'est l'attachement à son engagement, c'est-à-dire le suivi de son livre et l'observance de ses limites qu'il a imposées et s'éduquer suivant ses principes, les principes du Coran. Il dit plus loin, wala tafarraqu, l'imam Ad-Dawawi dit plus loin, concernant le parole d'Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, et accrochez-vous, cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Il dit, ne vous divisez pas, ceci implique l'attachement au groupe des musulmans et le rassemblement des uns envers les autres, et ceci est un des fondements de l'islam. Là, et ceci est un des fondements de l'islam. Vous avez compris, mes frères? Je vais finir ici par ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la même sourate, un peu plus loin. Allah dit يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. Donc vous voyez que al-qismatuhuna thunaiya. Ici, il y a deux groupes de personnes, pas trois, pas quatre, il n'y en a que deux. Il y a les gens de la vérité et les gens du faux. Là, regardez ce que dit Allah. Le jour où les visages se blanchiront et d'autres se noirciront. Quant à ceux dont les visages se noirciront, avez-vous mécru la kafartum ba'da iman, après avoir eu la foi, fadhukul adhaba bima kuntum takfurun. Alors goûtez maintenant le châtiment pour votre mécréance. Quant à ceux dont les visages se blanchiront, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ceux-là seront dans une miséricorde d'Allah, c'est-à-dire le paradis pourrait demeurer éternellement. L'imam al-Barawi a dit concernant l'explication de ce verset, yuridu تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. Il dit l'imam al-Barawi, il dit dans l'explication de tafsir de ce verset, il dit Allah signifie par s'éclairciront les visages des croyants et se noirciront le visage des mécréants, ou alors s'éclairciront le visage des gens sincères, al-mukhlisin, et se noircira le visage des hypocrites. D'après Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas radiyallahu anhu, annahu qara'a hadhihi al-ayata fa qala tabyaddu wujuhu ahli as-sunnah wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah. Sa'id ibn Jubair, qui est un tabi'i, qui est l'élève d'Ibn Abbas, un des élèves d'Ibn Abbas, qui a dit, lorsqu'il a lu ce verset coranique, Ibn Abbas, il l'a expliqué en disant, le visage des gens de la sunna s'éclaircira, quant au visage des gens de l'innovation se noircira. Le visage des gens de la sunna s'éclaircira, se blanchira, quant au visage des gens de l'innovation, il se noircira. Non. قال أهل المعاني إبيضاد الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وثواب الله واسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وعذاب الله. Donc il dit أهل المعاني, c'est-à-dire les gens de la langue arabe, ils disent إبيضاد الوجوه, quand on dit la blancheur des visages, c'est la resplendisseur, c'est-à-dire que les visages vont resplendir. واستبشارها, ils vont être contents. وسرورها بعملها, et être réjouis de leurs actes qu'ils auront faits et de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la noirceur d'une chose ou de leur visage, c'est la tristesse et l'affliction. Wa kusufuha, c'est-à-dire aussi la ternure, c'est-à-dire la noirceur de leur visage, de leurs actes et du châtiment d'Allah qui en découlera. Vous avez compris? Donc mes frères, voilà les principales caractéristiques de ce minhaj, minhaj al-nubuwa, min khasais minhaj al-nubuwa. Nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana fihi aw alayhi wa an yumitana alayhi innahu al-waliyyu bidhalika wal qadiru alayhi wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wa qul rabbi zidni ilma.